Bien aujourd'hui, Magnifique Art se trouve à Château Neuf Les Martigues. Nous rendons visite à un ami et en même temps rendre visite à un ami. On est amis, mais en fait, aujourd'hui, je fais faire sa connaissance. C'est le fils de Jeannine Coudre. Jeannine Coudre, nous avions fait déjà une opération avec un ciné-débat pour récolter des fonds pour l'association de Christian. Alors, parlez-nous de cette association, Jeannine. Alors, Christian a créé cette association pour venir en aide aux autres malades. Il est bien qualifié puisqu'il a vécu cette maladie. Il a fait le module Charcot qui résume en 19 pages la maladie de par son vécu. Et là, il a créé cette association. Les adhérents peuvent verser 10 euros par an ou faire un don. Et avec tout cet argent, il achète du matériel. Alors, il a du matériel audiovisuel ou autre. Et le summum, c'est l'Irish Bond. Avec ce dispositif qu'on met devant l'ordinateur, il peut écrire sur l'ordinateur. Donc la personne n'est pas isolée puisqu'elle peut dire si elle a chaud, si elle a froid et dire tout ce dont elle a besoin. Voilà. Alors quelle action doit-il faire pour ça? Et puis, il ne bouge pas ni les mains ni les pieds. Il ne bouge pas du tout. Il est complètement paralysé. Seuls ses yeux bougent. Ah d'accord. Donc, il va sur fenêtre et même s'il a mis que le F et le E, le mot fenêtre s'écrit en entier. Bravo. Voilà. Donc, il y a d'autres dispositifs aussi sur l'ordinateur. D'accord. Il y a un dispositif où la personne peut dire, elle va sur j'ai chaud, j'ai froid, donc elle est moins isolée. Voilà. Voilà, là je suis à côté de Christian. Bonjour Christian, c'est Magnifique Art et nous avons fait une opération promotionnelle pour vous, pour un film qui s'appelait La merveilleuse histoire du temps, qui a permis de récolter de l'argent pour votre association. Aujourd'hui, si je suis revenu vers vous, c'est pour essayer effectivement d'organiser encore une action, et cette fois, ça serait un concert qui aurait lieu dans l'église, qui permettrait de récolter encore des fonds pour venir en aide à votre association. Voilà, je sais que vous vous battez pour la maladie de Charcot, c'est une maladie terrible. Et je pense que maintenant, vous arrivez encore, vous avez la chance de pouvoir encore communiquer, ce qui est extraordinaire, grâce à cet appareil qu'il y a devant vous. Voilà. L'Irish Band. Merci beaucoup. Voilà, vous venez de nous remercier, c'est très gentil. Comment allez-vous? Bien. Il m'a répondu, voilà. Bah, quel âge a Christian? La mère peut répondre. 58. Bravo, voilà, 58 ans. Et il est malade depuis quel âge? Depuis 45 ans. 45 ans? Ça fait 13 ans et il est dans sa 14e année. Et bien. 7 ans comme ça, là, avec la trachéo. D'accord. Parce qu'avant, bon, ben, il était quand même, il pouvait circuler, 2 ans en fauteuil roulant. Après, il ne pouvait plus déglutir, donc il fallait le faire manger. Et puis là, il a un Mickey à l'estomac avec la poche, puisqu'il mange comme ça. Et la trachéo qui l'aide à respirer. Maîtresse, là où il a tout. Ah ouais. Alors, si tu vas sur les lettres, tu as toutes les lettres, parce que quand on... Et celle-là aide et soutient, c'est ça? Celle-là aide et soutient. Alors, donc, si on veut, il faut aller sur Internet, faire des... Et celle-là avec des soutiens, voilà, tu vois, regarde, il te fait voir. Pour écouter les présentations. Et tu vas sur Bienvenue, là, celle-là, aide matérielle, tu as tout le matériel qu'il a pour les malades. Cliquez pour parler, c'est sur l'ordinateur, et il y a, par exemple, j'ai soif, j'ai faim, j'ai chaud, et à ce moment-là, la personne peut communiquer grâce à l'ordinateur. C'est formidable. Voilà. Nous montrer, effectivement, la liste de toutes les personnes qu'il a aidées. C'est quand même très important et que cette association est très active et que, effectivement, compte tenu du matériel qui est nécessaire, ça coûte beaucoup d'argent et il faut en récolter pour pouvoir les aider. Voilà. Réalisé entièrement par Christian. Voilà. Avec les photos, etc. Non.
Non, mais c'est incroyable de voir ce qu'il est capable de faire. Absolument. Et le temps qu'il doit mettre pour faire ça. Mais vraiment, c'est formidable, quoi. Ah, ouais. Moi, je suis très, très admiratif. Ah oui, ben, tout le monde, hein. Voilà, ouais. Ouais. Et sur Facebook, Christian Coudre. Voilà, regardez comme il est beau. Bien. Alors, ce qu'il faut dire aussi, quand même, c'est que Christian est bien entouré, puisque sa femme est là aujourd'hui, dont je viens de la rencontrer. Et puis, il y a la petite fille, cette petite fille, ouais, qui a 6 mois aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, la petite fille est venue voir son papy. Et je pense que ça doit lui faire plaisir, évidemment, ah, d'avoir les visites. Papy, oui. Il y a tout cet amour autour de lui aussi, il faut avec l'amour de sa maman qui est là et qui s'en occupe bien. Voilà, merci à vous deux. Bon courage, mon cher Christian. Je vois que vous êtes... Du courage, vous en avez. Hein, et vous avez de la volonté, et c'est très bien. Beaucoup de volonté, voilà. Et puis l'amour des autres. C'est très gentil, merci.